Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va tester le scénario Trop de bambins. C'est quelque chose, c'est une vidéo que j'appréhendais beaucoup à faire parce que je sens que ça va être très compliqué. Le but de ce scénario, c'est de faire apprendre 3 niveaux de 4 compétences aux bambins avant leur anniversaire. J'ai beaucoup de mal avec les bambins, déjà avec Louve, j'avais eu pas mal de mal pendant mon let's play. Pourtant, ça a duré, je crois, que 2 épisodes et j'en avais qu'un. Là, je vais en avoir 3 et je sais pas pendant combien de temps je vais tourner, mais ça risque d'être vraiment assez compliqué. Donc je vais vous présenter les 3 petits monstres et on pourra commencer directement à jouer. Nous avons Noah qui déjà n'a pas l'air très commode. Hein ? T'as l'air un petit peu bizarre. Nous avons ensuite Jude qui lui a l'air beaucoup plus sympathique, il me fait beaucoup penser à Tate d'ailleurs. Il est trop mignon, je l'adore. Et nous avons la petite Théodora qui est beaucoup trop chou, elle aussi. Ils sont trop mignons, mais à mon avis, je vais pas les trouver mignons très longtemps, hein, je pense. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une maison dans la galerie qui me semblait assez potable pour accueillir cette petite famille. Nous avons donc la chambre des filles juste ici et la chambre de Jude juste ici. Donc je me suis pas cassé la tête, je leur ai mis des petits pots directement dans leur chambre parce qu'à mon avis ça va être sinon très compliqué. Ce que je vais faire là au niveau de leur divertissement, ils sont tous pas très top. Je vais les envoyer jouer dans leur chambre directement. Mais pendant ce temps, nous, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à manger pour tout le monde et ils viendront se servir directement dans les assiettes. Donc par exemple, on va faire une portion de groupe et du coup, ils pourront directement venir se servir. Bon, au moins, ils ont acquis la compétence mouvement tous les 3, c'est déjà pas mal. Ah, ils vont pas pouvoir monter. Ils vont pas pouvoir monter parce qu'il faut qu'ils montent un escalier et ils ont pas le niveau assez élevé, donc il va falloir qu'on les emmène nous-mêmes à l'étage. J'ai pas envie de mettre le feu, donc on va d'abord terminer de préparer les pâtes, hein, tant pis. J'avais complètement oublié ça pour vous dire à quel point je joue très rarement avec des bambins. Bah, la dernière fois que j'ai joué avec un bambin, c'était avec Louvre, donc ça va faire presque un an au final. Donc ça commence à faire, hein. Allez, on va mettre ça au frais et puis on va les faire monter tous les 3 à l'étage. Déjà, rien que ça, ça va être super long. Je pense que les bambins, ils vont vivre à l'étage en fait. Ils descendront jamais. Ça va être terrible. Ensuite, on va venir prendre la petite Théodora. On va la prendre dans nos bras, elle aussi. Toi, tu vas pouvoir commencer à jouer, c'est parfait, voilà. Le besoin de divertissement, je crois que c'est le pire truc à remonter chez les bambins en fait. C'est vraiment super long, il me semble. Acquis la compétence imagination, parfait. J'ai pas le temps de recevoir les voisins là, je suis désolée. Hop, au revoir. Allez, toi, tu vas venir jouer avec ton coffre à jouer aussi. Je vais m'acheter un vélo, je pense, pour pouvoir moi aussi augmenter mon divertissement très rapidement. Comme ça, on perd pas de temps. Donc on va aller faire du vélo, déjà, pour augmenter notre propre divertissement. Donc je laisse les gosses tout seuls à la maison, clairement, hein, mais bon. Ok, le divertissement de Noah est complet. On va revenir s'occuper de Noah, alors, dans ces cas-là. Apprendre à aller sur le pot à Noah. Compétence communication. Regardez, eux, ils ont bientôt un bon niveau, déjà, en imagination, c'est trop bien. Acquis la compétence pot. Ok. Après, il faut que je m'occupe donc de l'attention de tout le monde et du pipi de tout le monde. Niveau 2 de la compétence imagination. Ok, c'est pas mal. Pour l'instant, ça va. C'est pas trop compliqué, honnêtement. Ah, par contre, Noah, dépêche-toi un petit peu, là. Tu sais que t'es pas toute seule, hein. T'es pas toute seule. Ils peuvent pas y aller tout seuls sur le pot, franchement. Aide pour le pot. Non, ils peuvent pas. Nécessite le niveau 2 de la compétence pot. Super. On adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, apprendre à aller sur le pot à Théodora. Elle, du coup, bah, elle est nickel pour l'instant. Je vais continuer de la faire jouer. Là, c'est la compétence mouvement qui entre en jeu. Ok, très bien. Ah, ils mettent des heures à chaque fois. C'est incroyable. Alors, c'est bien parce que ça remonte l'attention, le divertissement et le pipi, en fait, le pot. Donc, c'est trop bien. C'est bon à savoir. Honnêtement, c'est bon à savoir. Bon, il n'y a que Jude, là, qui est pas très bien, du coup, mais bon. Allez, on se dépêche, Théodora. Regardez, elle en est à peine à là. Vous pensez que quand le niveau il sera plus élevé, ils seront plus rapides? Apprendre à aller sur le pot à Jude. Bon, il est dégueulasse le pot, mais c'est pas grave, ça va le faire. Elle est triste, elle commence à avoir faim. Bah, tu vas pas manger tout de suite, hein. Tu vas continuer à jouer. Acquis la compétence communication. Il veut pas aller sur le pot, mais en fait, t'as pas le choix, je te dis. T'as pas le choix. Je sais qu'il est dégueulasse. Ah, mais sinon, il y a le tien, je suis bête. Apprendre à aller sur le pot à Jude. Ok, il commence à être fatigué, à avoir faim. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener l'assiette de pâtes à l'étage directement. On perd pas de temps. Voilà, hop, je vais la mettre là, voilà, comme ça ils pourront tous venir se servir. Prendre une portion, et toi tu vas venir prendre une portion pendant que moi je vais nettoyer le pot. Pour l'instant on s'en sort assez bien, mais c'est pas dit que ça dure, regardez, il y a déjà des flaques d'eau partout, c'est dégoûtant. C'est juste dégoûtant. Alors j'ai eu aussi envie de faire ce scénario trop de bambins avec vous parce que ma copine conjureuse a commencé le 100 ghost. Non, le 100 ghost c'est moi. Elle a commencé le 100 baby challenge et c'est vraiment un challenge que je serais incapable de faire. Je pense qu'au bout de 3-4 épisodes j'aurais complètement lâché et voilà. Les bambins c'est pas mon truc vraiment. Ils sont mignons mais que quand ils sont seuls, ok. Donc du coup je me suis dit j'ai envie de faire un truc avec des bambins mais pas le 100 baby challenge franchement parce que j'ai déjà un 100 truc challenge en plus moi. Mais du coup je me suis dit bah ça tombe bien, je vais faire le scénario en fait.
fait. Allez, on va envoyer les petits dormir. Est-ce que toi t'as fini de manger? Oui. Je sais pas où ils ont mis leur assiette, hein. Par contre, je sais pas du tout où est-ce qu'ils les ont mis. On va aller dormir nous aussi, hein. Ok, il y en a deux qui ont déjà envie de faire pipi. J'ai même pas fait sa tenue pyjama. J'ai oublié de faire cette tenue pyjama, bon tant pis. Alors, il y a déjà Noah qui a envie de faire un gros pipi, donc on va la mettre au pot. Je vais d'ores et déjà lever la petite... comment tu t'appelles déjà? Comment tu t'appelles? Théodora, voilà. Apprendre à aller sur le pot à Théodora. Elle, au niveau de ses compétences, où est-ce qu'elle en est? Elle est niveau 2 en imagination et presque niveau 2 en pot aussi. Ok, allez, on va réveiller Jude. Il va aller lui aussi faire un pissou. Niveau 2 de la compétence pot. Alors après, il faut qu'il mange aussi, donc... il reste combien de portions au niveau des pâtes? Il reste 4 portions déjà. Et puis moi, il va falloir que je refasse à manger du coup. Alors, elle a fait un cauchemar. Bon bah écoute, c'est pas grave, tu vas rester réveillé, tu vas prendre une portion. Toi, tu iras nettoyer les toilettes dans... quand tu auras fini avec Jude. Je sais pas pourquoi elle vient manger dans la chambre de son frère. Écoutez, toi tu as fini et tu te sens très bien. Et bah tu vas pour l'instant retourner jouer. J'aimerais bien un petit peu faire la compétence communication avec elle. La compétence réflexion s'améliore en étant curieux ou en jouant avec des cartes de support visuel, des cubes de construction ou la tablette. C'est vrai que j'ai pas acheté de tablette. Faudrait que j'achète une tablette pour enfant. Parce que c'est vrai que ça peut être très intéressant, très utile. Alors tu vas aller vers ta tablette, tu vas jouer à Sims Form, voilà, parce que c'est quand même bien pratique les tablettes, hein, on va pas se mentir. Elle va continuer sa compétence imagination. Elle aura déjà atteint un niveau 3 dans une compétence, c'est franchement pas mal, hein, honnêtement. Jude, il est encore en train de manger, elle fait sa compétence imagination. Toi, tu fais ta compétence réflexion. Alors Jude, on va l'envoyer regarder le livre, tiens, on va l'envoyer regarder des livres. Comme ça, ça va le stimuler un petit peu lui aussi. Voilà, j'aime bien comment je m'occupe jamais de mes gosses, en fait, ils s'occupent tout seuls. Je suis juste là pour pipi et pour prendre des bains à la limite, mais c'est tout quoi. Sinon je ne sers à rien. Et je vais tirer sur leurs compétences là en fait. Ils sont tous les trois en train de s'occuper tout seuls. Alors niveau 3 de la compétence imagination pour Jude. Donc il lui reste le mouvement et la réflexion, éventuellement le pot aussi. Noah elle a pas encore de niveau 3. L'imagination c'est bon, on a terminé avec, avec la petite Théodora, donc on peut arrêter. Maintenant c'est vrai que la compétence mouvement c'est intéressant de la continuer. Par contre nous notre social il est pas terrible, je sais pas s'il y a pas des Sims là maintenant. Ok, on va rentrer parce que ils veulent aller sur le pot là les cocos. Toi tu continues en attendant, je t'ai pas dit d'arrêter, d'accord? Voilà, je la fais rentrer du coup, dépêche-toi un petit peu, mais par où tu passes? Tu passes par des endroits improbables. Apprendre à aller sur le pot à Noah, niveau 2 de la compétence pot, ok très bien. Après, c'est qui d'autre qui veut aller au pot? Vous savez quoi, je vais les envoyer tous au pot directement, comme ça on sera tranquille. Toi tu vas déambuler en attendant, voilà, apprendre à aller sur le pot à Théodora, toi tu es nickel. Enfin, pas tout à fait. Tu vas venir faire des formes. Il faut absolument que je sorte la nourriture du frigo parce qu'ils ont faim. C'est une vraie usine, cette maison, vraiment. Toi, t'as fini de manger, bah tu vas aller dormir parce que t'es KO. Théodora, elle est toujours en train de manger. Quand elle aura fini, elle ira dormir, donc. Allez, on va ranger ça au frais. On va faire un pissou. Et on va aller dormir. Il y a Noah qui veut aller au pot. On est parti. Ah, le pot, il est dégoûtant. Attendez, on va le nettoyer quand même d'abord. Ensuite, on va envoyer Noah sur le pot. On va envoyer la petite Théodora sur le pot aussi. Imagination. Tu vas faire un petit peu de l'imagination. Niveau 2 de la compétence imagination. Bah voilà, c'est parfait. Et ensuite, on enverra donc Jude sur le pot. On va l'envoyer ici parce que... Ah, mais ils sont tous les deux dégueulasses. Donc, on n'a pas le choix. Ok. Toi, du coup, tu vas faire aussi ton imagination. Jude, il est assez désobéissant. C'est quoi? Qu'est-ce que je lui ai mis comme caractère? Espiègle. Rigolo et curieux, ces bambins adorent raconter des blagues et sont joueurs. Ils développent la compétence imagination légèrement plus rapidement. Ah ça, je savais pas par contre. Bah d'ailleurs, il est déjà niveau 3, donc oui, effectivement. Effectivement, effectivement. Alors, il va falloir donner le bain là, clairement. Donner le bain à tout le monde et faire manger tout le monde. Je vais sortir les plats du coup. Et là, alors le bain, ça va être un calvaire parce qu'il y en a 3 à laver là quand même. 3. C'est triste hein, comme vie quand même, hein. Il y a aucune ambiance familiale quoi. C'est tragique. Ok, Noah a fini. Le temps que nous on s'occupe de nous, qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme compétence? Elle va continuer la compétence... elle va faire un petit peu de la compétence mouvement. Toi du coup, pareil, pendant ce temps, tu vas faire la compétence réflexion. Voilà, pour changer un petit peu. Il y a des assiettes partout, c'est un n'importe quoi. Nous, on va aller faire pipi. Alors, qui est-ce qui va se laver en premier? Ce sera Noah, la première. J'espère qu'elle va accepter sans rechigner. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je t'ai dit de déambuler, je t'ai pas dit de venir là, forcément. Hein, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu cette interaction. Comme je vous l'ai dit, je joue rarement avec des bambins, et du coup, c'est trop mignon. Voilà, ils sont tous en train de faire un truc. Moi, je vais partir faire une petite promenade en vélo pour m'aérer un petit peu l'esprit, parce que je n'en peux plus de ces enfants. Du coup, ça enlève son modelette tendu aussi, c'est trop bien. Niveau 3 de la compétence imagination pour Noah, ok. Air frais, fait du vélo, rien ne vaut une sortie en plein air en vélo. Alors lui, il est bientôt niveau, je ne sais pas combien, niveau 2 en réflexion, et elle est bientôt niveau
2 en réflexion aussi, hein. Il est vraiment en train de la rattraper. Hein. Tant j'ai l'impression que Théodora y est depuis beaucoup plus longtemps qu'elle, que lui, pardon. Allez, tu vas descendre, on va envoyer Théo sur le pot. Ça devient compliqué là. Hein. Allez, apprendre à aller sur le pot à Noah. Ils veulent tous faire pipi en même temps. Oh, c'est compliqué. Niveau 2 de la compétence réflexion. Ok, nickel. Je crois qu'il n'y a plus de nourriture. J'ai pas fait la bouffe. Cuisiner. On peut cuisiner avec les bambins. Oh, ça, je savais pas, c'est trop mignon. Préparer un grand repas. Grand petit déjeuner, voilà. Ah, mais je peux pas, il faut que je les envoie au pot d'abord. Ok, bon, après, ils ont pas super faim, tu me diras, ça peut attendre. Allez, on va envoyer Théodora sur le pot. Et elle aussi, elle commence à être désobéissante. Niveau 2 de la compétence réflexion. Je sais pas à quelle heure ils vont manger ces gosses. S'évanouir. Mince, j'avais pas vu qu'elle était aussi fatiguée. Alors, verdict, pour l'instant, nous en sommes où? Franchement, ils sont pas mal, hein. En soi, j'ai presque terminé. Je vous propose donc qu'on s'arrête ici pour cette vidéo. J'aurais déjà pas mal souffert avec ces bambins. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait rigoler. C'est le cas. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye!